monsieur à côté de moi, ça perd d'Orient. Et c'est avec lui que j'ai commencé à écrire en bas. C'est avec lui que j'écris en français. On a écrit Elle me dit ensemble. Et aussi un soir, on a écrit cette chanson qui s'appelle La chanson de Carême. Un soir, à 4h du matin, dans un petit bar à Paris, sur la rue des Montmartre qui s'appelle le numéro 82. En fait, le bistrot 82. Et Karen, elle était bourrée. Bourrée comme une boîte. Elle était bourrée. Et on l'a adorée. Elle nous a expliqué toute sa vie. Et en échange, on a écrit une chanson pour elle. Après cette nuit-là, on n'a jamais revu Karen, mais on chante cette chanson dans tous les festivals où on va. Pour elle. Ses doigts, accoudé au parvis du martyr, au 82, Karen fait son pirouette. Elle voudrait une vie meilleure que ses frères et ses sœurs qui sont rentrés dans les rangs. Karen dit que Paris c'est mort, qu'une autre ville l'attend. Elle dit qu'on l'achètera pas. Karen vit aux enfants sur le rouge, de ses lèvres et elle bouge. Elle dit qu'elle vaut mieux que ça. Se barre sans comprendre pourquoi, car elle s'en va.